Je les présente ce soir par rapport à la soirée dernière parce qu'ils sont peut-être un peu moins connus sur Strasbourg même. Richard K a écrit beaucoup de livres et c'est un grand spécialiste de Roland Simonet. Et donc on aura Gaston Valente qui lui est un architecte strasbourgeois plus local qui a travaillé sur le chantier du Parlement européen. Je sais pas, vous avez moi tous peut-être déjà le questionnaire quoi. Ça vaut le coup que je fasse passer encore ou... Ouais. Bah alors j'en fais passer, il y en a encore une quinzaine d'exemplaires là, je vais facilement prendre quoi. Et puis donc, la parole est à vous. Voilà. Merci. Oui. Bon, bonsoir. En fait, je suis dans un rôle de composition, je pourrais dire. Contrairement à mon habitude, je ne suis absolument pas à l'aise ce soir pour vous parler, puisque je n'ai absolument pas l'habitude d'évoquer devant des étudiants mon travail d'architecte. Je ne le fais jamais, pour une raison fort simple, c'est que je n'enchaîne pas le projet d'architecture. Je l'ai enseigné pendant une très courte période. Je suis enseignant d'histoire. Et donc, je passe mon temps à parler des autres. Donc, c'est très délicat pour moi d'évoquer, comme on me l'a demandé, j'ai pris ça d'ailleurs comme une demande assez perverse de la part de M. Galmiche, de me demander d'évoquer mon propre travail. Donc ça, c'est le premier point. Il faut me pardonner d'avance. Ma façon de parler sera beaucoup moins fluide que dans mes cours ou que quand j'évoque les questions historiques. On m'a donné un questionnaire qui est construit, je dirais, un peu à la manière d'un questionnaire auquel j'ai déjà répondu d'une revue d'architecture. J'ai commencé à y répondre, ça va guider le début, mais après je vais vite m'en écarter, j'en suis désolé, parce que il y a des questions, je dirais, qui me laissent un peu muet. Quel est votre premier souvenir d'architecture, par exemple? Voilà. Là, j'ai répondu parce que mon premier souvenir d'architecture, c'est la maison pendant laquelle j'ai vécu très longtemps. C'est tout simple, mais j'ai eu la chance d'habiter une maison un peu curieuse un moment de ma vie, et c'est mon premier souvenir d'architecture. Mais c'est ce que je vais vous dire, parce que, évidemment, je ne vais pas vous raconter pourquoi ça a été mon premier souvenir d'architecture, si ce n'est que c'était une maison qui était atypique par rapport, je dirais, à la moyenne des maisons dans lesquelles vivaient mes amis, et notamment, c'est une maison qui comprenait des endroits un peu perdus. Et les murs étaient très épais aussi, donc c'est des choses qui ont eu l'importance. Depuis combien de temps et sous quelle forme exercez-vous le métier d'architecte? Je suis architecte inscrit à l'Ordre des architectes depuis 1987, donc ça fait 20 ans. J'ai été diplômé en 1985 et je me suis donc installé, entre guillemets, en 1987. Comment êtes-vous venu exercer ce métier? Totalement par hasard. Totalement par hasard, j'avais aucune vocation pour exercer ce métier. Je ne suis pas fils d'architecte, ni même petit-fils d'architecte. J'avais aucune connaissance autour de moi d'architecte. C'est un hasard, je faisais de la musique. J'en fais encore d'ailleurs, mais je faisais de la musique à l'époque avec un groupe, sortir du bac. Et le pianiste, lui, faisait des études d'architecture. Et moi, je m'embêtais beaucoup dans des études de sciences économiques. J'avais fait un bac B, donc un bac ES pour vous. Ça doit encore s'appeler comme ça. Et j'avais entamé des études de sciences économiques qui m'intéressaient d'ailleurs, mais je m'embêtais un peu, et il se trouvait que c'est en voyant les exercices que faisait cet ami qui était un pianiste que sa formation m'attirait. Mais c'est sa formation qui m'attirait, enfin les études qu'il faisait, pas du tout. J'avais aucune idée du métier d'architecte, hein, je ne savais pas du tout ce que c'était, mais par contre il faisait des choses très drôles, notamment parce qu'il faisait ses études à Lille et qu'il y avait une formation liée au design à un moment donné, et il concevait des objets. Et c'est ça qui m'attirait. Et c'est vraiment un peu comme ça, et par hasard, et puis sans absolument savoir ce que c'était, que j'ai fait ces études. Ma formation donc s'est passée du point de vue architectural à Lille, pendant tout mon cursus, et j'ai poursuivi ensuite des études d'histoire à la Sorbonne, à Paris, après mes études d'architecte, puisque donc j'ai suivi, j'avais comme professeur d'abord Bruno Foucart et ensuite Gérard Monnier,
Et j'ai obtenu une thèse assez récemment, en 2003. Donc j'ai mis beaucoup de temps à faire mes études, y compris mes études d'architecture. Hein, puisque je suis rentré, j'ai eu mon bac en 76, je crois, donc ça fait beaucoup de temps, mais c'était possible là, avant. J'ai répondu déjà à 6 questions au moins. Si vous n'aviez pas été architecte, auriez-vous fait? Je pense que j'aurais fait de la musique. Et je voulais faire du cinéma à un moment, ce qui n'a pas été possible. Et après, les influences, alors là, c'est une question compliquée. Vous verrez, j'apprécie d'une manière générale que la pratique architecturale soit une pratique que j'appelle cultivée, tout simplement. Et les influences sont multiples, les références aussi. Je me suis beaucoup intéressé à un moment donné à l'art contemporain, qui a beaucoup marqué mon travail, je pense, mais pas du tout par rapport à une œuvre ou par rapport à des approches qu'avaient des artistes contemporains. Ça a sans doute eu son importance. Pour continuer sur la question plutôt des débuts de mon travail d'architecte, je voudrais évoquer le fait que, n'ayant pas cette vocation d'architecte, je n'avais aucun appétit particulier à construire, notamment. D'ailleurs, je n'ai toujours pas d'appétit à construire. C'est-à-dire que je construis, les autres construisent ce que je dessine, mais ce n'est pas un appétit pour moi. Alors que vous avez beaucoup de collègues, j'ai beaucoup de collègues qui pensent que c'est quelque chose d'absolument indispensable de construire. Les premiers travaux que j'ai faits n'étaient absolument pas des constructions. Et j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la scénographie, de la muséographie ou d'aménagement d'exposition. Ce que je vous montre là, c'est la première page de la partie de nos références quand nous présentons nos travaux de muséographie. Et cette première partie commence par une phrase de Lévi-Strauss, volontairement, pour écarter déjà une partie de ce que pourrait être pour d'autres la scénographie, la muséographie. Puisque Lévi-Strauss critique fortement dans cette phrase, dans un ouvrage qui s'appelle « Le cadre et l'œuvre », il critique fortement les personnes qui se livrent à des scénographies spectaculaires aux dépens des œuvres qu'ils présentent. Et donc nous, on présente toujours cette phrase comme, je dirais, avant nos réalisations. Et dans les tout premiers travaux que j'ai effectués, je travaillais pour un centre de culture scientifique et technique qui, en fait, avait une vocation pédagogique par rapport à des thématiques. Et ce que je vous montre à gauche, c'est une exposition qui portait sur la vision des couleurs. Nous avons mis au point, je dirais, la présentation de l'exposition. La première fois qu'on a fait appel à nous, puisqu'il faut que je le précise, si je dis nous, c'est que nous sommes deux. Je me suis installé en 87 avec un collègue et ami qui s'appelle Benoît Graftot. Tout ce que je vous montre est donc la production de deux personnes. Donc la première fois qu'on a fait appel à nous, je dirais, d'un point de vue lié à une œuvre artistique, à une présentation d'une œuvre artistique, c'est un peu une curiosité de raconter ça à Strasbourg, puisqu'il s'agissait d'une part d'un artiste qui s'appelle Pierre Mercier, qui doit être maintenant professeur à l'école d'art de Strasbourg, il me semble, et que le conservateur du musée s'appelait Joël Pigeaudier, elle s'appelle toujours Joël Pigeaudier, et qu'elle est maintenant, je pense, directrice des musées de Strasbourg. À l'époque, elle était conservateur du musée d'art contemporain de Villeneuve-d'Ascq. Comment ? J'ai dit quoi ? Grave erreur, moderne, de Villeneuve-d'Ascq. Qui est une œuvre de Roland Simounet, ce qui va expliquer certains phénomènes ensuite. Et au début, il s'agissait uniquement d'aider Pierre Mercier à construire une sculpture dans l'espace. On avait fait appel à nous pour des raisons plus techniques, on peut dire. Pierre Mercier savait très bien ce qu'il voulait faire. Il voulait occuper, en fait, étendre une de ses pratiques sculpturales dans la plus grande salle du musée. Et ce que vous voyez à gauche, c'est une construction métallique assez compliquée à réaliser, qui était en fait produite par l'artiste et que nous avons simplement aidé à réaliser. Et c'est à la suite de cette expérience que ce musée de Villeneuve-d'Ascq
musée d'art moderne. C'est important parce que c'est vrai que le musée d'art moderne a une très belle collection d'œuvres cubistes, et ça explique sa logique d'exposition. Donc c'est à partir de ce moment que le musée va faire appel à nous pour présenter assez régulièrement des expositions. Des expositions qui vont être présentées dans l'optique, effectivement, de mise en valeur strictement des œuvres auxquelles qu'on va nous confier. Et quand je dis strictement mise en valeur, c'est que effectivement, on avait plutôt, c'est une pratique qu'on a plus beaucoup, donc je dis au passé, on avait plutôt, on faisait appel à nous parce que les personnes savaient que nous effacions par rapport aux œuvres et par rapport notamment aux œuvres d'art moderne, par rapport à Henri Laurens, par rapport à Fernand Léger. Ce qui explique que le travail que je vous montre là est très peu photogénique, mais par contre, il représente une quantité de travail très importante. Le fait de, par exemple, dessiner un socle, vous voyez, décomposé en deux parties pour une œuvre d'Henri Laurens, est en fait un très très gros travail. Le choix de la matière, le choix de la couleur, le choix du joint creux, par exemple, ou encore ce que vous voyez derrière, qui était un système d'ombrelles qui permettait de présenter en même temps que les sculptures, des dessins, en respectant évidemment les normes, si je puis dire, d'éclairage. Ce musée qui, tout en étant moderne, bonjour, tout en étant moderne, est aussi un petit peu contemporain quand même, puisqu'il présentait des œuvres d'artistes contemporains. Et donc, on a travaillé dans le même sens aussi pour présenter des travaux là, de Richard Bicon, et souvent en collaboration avec les artistes, puisque c'est eux-mêmes qui soit proposaient des installations, soit présentaient leurs travaux. C'est à partir de cette pratique d'aménagement d'exposition que nous avons commencé à intervenir dans les musées, en fait, et toujours à partir de cette idée d'aménagement intérieur au départ, sans qu'il soit proprement parlé de construction. Alors, ça a eu beaucoup d'importance parce que ça a guidé pratiquement, je ne veux pas dire une doctrine, mais un certain point de vue sur les aménagements dans les bâtiments existants. Et j'ai ressorti cette vieille image. Elle est vieille parce que, vous voyez, c'est fait à la main, c'est un montage, je dirais, tout à fait antique par rapport aux images qu'on peut sortir maintenant, qui était une restructuration d'un musée d'art contemporain à Villeneuve-d'Ascq, un musée d'art, des beaux-arts à Tourcoing, dans lequel on avait pensé que la restructuration pouvait se réaliser uniquement à partir de mobilier. Et donc on avait décidé de restructurer tout le musée à partir de meubles, sans toucher à l'existant. C'est un concours qui a été perdu. Mais ce que vous voyez là, c'est la caisse, c'est un dispositif pour les handicapés, enfin, c'est des choses qui étaient dans le programme et qui se disposent comme des meubles dans le hall du musée, qui était un très beau hall qui datait des années 25. Le musée lui-même, le musée de Villeneuve-d'Ascq, nous a confié ensuite des petits travaux, je dirais, d'aménagement intérieur toujours, là encore, des choses très discrètes. C'est comment faire un cloisonnement pour configurer une cafétéria à un endroit qui n'était pas destiné pour cela, ou encore un cabinet de dessin, qui est un très gros travail, très peu photogénique aussi, que vous voyez là sur la gauche, qui reprenait cette idée de meubles, sauf qu'il s'agissait de meubles un peu solides, un peu durs, hein, il s'agit de staff, constituant des niches dans lesquelles étaient éclairées les œuvres, aux conditions requises, hein, puisqu'il s'agit d'une très faible éclairement due à la fragilité des dessins. Alors, cette pratique a eu beaucoup d'importance, elle en a un petit peu moins maintenant, mais nous avons énormément fait d'aménagement d'exposition, sans jamais revendiquer que ce soit une spécialité. C'est une chose que je déplore actuellement d'ailleurs, c'est que ça devient de plus en plus une spécialité. Moi, je pense qu'en faisant ça, j'avais fait simplement un travail d'architecte. Et correspondant à un marché spécifique, ça devient aussi une spécialité par rapport aussi à des commanditaires et à des milieux spécialisés. Ici, c'est une exposition sur les années cubistes, où la difficulté était encore une difficulté liée à l'éclairage.
Et là, le fauvisme en noir et blanc, une exposition qui, toujours dans le musée de Villeneuve d'Ascq, où il faisait exposer des dessins en même temps que d'autres pièces, notamment des gravures. On peut dire que ce travail lié à l'exposition a pris une dimension un peu plus importante quand nous avons organisé la rétrospective de l'architecte. Alors, c'est une situation un peu unique, puisque le musée était de Roland Simounet. L'exposition avait lieu au sein du musée sur Roland Simounet, sur toute son œuvre, c'est une rétrospective. Et en plus, j'en étais non seulement l'aménageur, mais le commissaire, c'est-à-dire que je maîtrisais le contenu scientifique. Voilà, donc je crois que ça ne m'arrivera qu'une fois, et que c'est une exposition qui était destinée à l'itinérance. Bon, on peut dire que c'est un point par rapport à ces questions d'aménagement à l'intérieur de ce musée que je connais par le plus petit bout, le plus petit recoin, notamment par rapport à ces dimensions qui sont très importantes, et la manière dont Simounet utilisait le dimensionnement. Bon, ça a été évidemment un travail extrêmement... extrêmement important et qui a une exposition qui est itinérée, qui s'est retrouvée à Marseille sous le titre Roland Simounet et la Méditerranée. C'était un peu, on va dire, réduit. Et à Toulouse aussi, dans un centre d'architecture lié au CAUE. Encore quelques expositions, des projets qui ne se sont pas réalisés, une exposition Paris-Barcelone. C'est un concours, une consultation, et puis des petites expositions que je continue à faire quand les sujets m'intéressent, je dirais. Ici, c'est une exposition sur la presse roubaisienne. Des expositions dans d'autres lieux, évidemment, que le musée, où on faisait appel à nous pour les mêmes raisons, cette relative discrétion. On utilise des dispositifs qui sont, vous le voyez, assez similaires. Je suis un peu obsédé par l'idée que les choses, quand elles sont différentes, il y a un avantage à les présenter de manière relativement homogène, et notamment avec ce système de table un peu récurrent qu'on trouve dans nos aménagements. Mais aussi des choses très différentes quand il s'agit de présenter des artistes 19e ou même des personnalités historiques. Une mairie, par exemple, nous avait demandé d'aménager deux salles à l'intérieur de cet édifice public qui n'était pas prévu du tout pour être une salle d'exposition, afin de présenter les dessins et la collection de quelqu'un, je dirais, d'un historien qui avait une importance locale. Et ça a donné lieu là, à des travaux qui sont un peu différents. Alors, on peut dire que cette pratique-là, hein, je vous ai dit que ce n'était pas une spécialité, elle a trouvé un développement dans une échelle assez importante lors d'un projet récent. Je suppose que c'est moi, ça. Lors d'un projet récent qui était le réaménagement, la restructuration du musée d'art contemporain de Dunkerque. Le musée, là, ce sont des cartes postales d'époque. L'époque, c'est 1983. Le musée, en fait, est inauguré assez curieusement au même moment que le musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq. Celui-là est de Jean Villerval. C'est un assez curieux musée, imaginé dans la foulée des années 70 autour d'une agora centrale, on va dire plutôt dans une philosophie de maison de la culture, plus que d'un espace vraiment muséal. Un musée qui, vous voyez, dont la photo aérienne montre qu'il y avait beaucoup de sinistres, notamment d'étanchéité, parce que c'est un musée qui est recouvert d'un carrelage, avec une étanchéité en dessous du carrelage. Est-ce que vous voyez les fantômes sur le carrelage? C'était à un moment donné où le musée commençait à prendre l'eau de toutes parts. Le musée a été restructuré extérieurement dans le cadre de la garantie décennale et il voulait le réaménager complètement. Et on a utilisé cette idée, cette pratique d'aménagement d'exposition et de pratique du mobilier pour restructurer entièrement le musée, on va dire, sans
toucher un cheveu de son épiderme. Donc le musée est complètement transformé. Le musée avait notamment souffrait de défauts en termes d'acoustique et en termes d'éclairage. Et nous avons utilisé cette idée du meuble pour complètement le transformer. Alors bon, ça se voit de plusieurs manières, mais tous les meubles que vous voyez là sont des meubles neufs qui s'insèrent dans la structure sans jamais la toucher. Nous avons utilisé des dispositifs de correction acoustique qui utilisent le système alvéolaire structurel du musée en piège à son, parce qu'il y avait le problème acoustique à régler était simple, c'était un problème d'amortissement. Mais c'est une sorte de démonstration des possibilités, je dirais, d'une pratique pacifique de l'architecture, puisque toutes les fonctions du musée ont aussi changé. Le dernier étage est transformé en un grand cabinet des dessins qui fonctionne comme un cabinet d'amateurs avec le public qui peut ouvrir des tiroirs pour admirer les dessins de la collection. C'est une collection qui comprend beaucoup d'œuvres graphiques d'après la Seconde Guerre mondiale. Et voici ces dispositifs qui permettent au public de manier lui-même ses dessins. Alors, bon, ça représente une grande partie de mes activités, ça répond à une partie de la curiosité de M. Galmi, je suppose, sachant que, évidemment, il y a d'autres réalisations, mais qui ont des points communs, hein, et je vais passer très vite sur ces réalisations, qui ont des points communs. Ici, c'est un aménagement, une petite école d'art plastique qui est aménagée dans un intérieur existant et dans lequel, en fait, nous tentions toujours de résoudre un problème complexe avec des dispositifs assez simples. Le dispositif qui est là simple, c'est un très grand mur fabriqué en carreaux de plâtre, revêtu d'une faïence à 4 sous, mais par contre avec un calbinage très précis, sans aucune coupe, et qui permettait de, vous le voyez, redresser la situation. Hein, c'est le mur que vous voyez en haut, cette espèce de grande ligne, qui était là pour pallier au fait que, évidemment, la parcelle et le mur mitoyen avaient un biais qui gênait un peu à la fois les pratiques. Et donc, il y a encore cette idée, même s'il s'agit d'un dispositif tout à fait fixe, il y a encore cette idée d'utiliser l'idée du meuble pour réaménager un espace sans le détruire. La première, ça fait partie des questions de la fin, ça, où est-ce qu'on peut trouver sur les publications des choses comme ça. Il y a très peu de choses qu'on a fait qui ont été publiées. Il se trouve qu'on a fait quelques bâtiments publics qui ont retenu l'attention. Celui-là, c'est un centre, c'est un petit centre pour les enfants qui comprend en fait un centre de la petite enfance, comprend une petite halte-garderie, enfin trois petites fonctions articulées entre elles à Roubaix, qui a été publiée dans une revue anglaise, donc évidemment assez invisible ici, qui repose d'ailleurs sur l'articulation des trois éléments de programme qui sont traités aussi comme s'ils étaient presque des éléments mobiles. Et cette mobilité-là est due pour l'objectif était de préserver des arbres que vous voyez juste au niveau de l'entrée. Alors, ces travaux d'aménagement d'exposition ont été exposés à eux, ont fait l'objet d'une exposition à Briey-en-Forêt en 97, avec un petit catalogue et un texte de Joseph Abraham, qui est professeur à Nancy, qui a commencé à s'intéresser à ce qu'on faisait à partir de ces années-là, et qui ensuite, on a la chance qu'il ait écrit quelques lignes sur nous, puisque je vous ai dit, c'est une très grande difficulté pour moi de le faire, donc c'est très, très bien que quelqu'un d'autre puisse le faire à notre place. Alors cette exposition présentait aussi, on va dire, l'environnement culturel dans lequel on travaillait. Ce que vous voyez au mur là, c'est la revue qu'on avait fondée avec quelques amis, qui s'appelle Sans Titre, qui est une revue d'art contemporain et qui a duré une quinzaine d'années et qui était constitué notamment d'interviews d'artistes. L'idée de cette revue était de faire un agenda et puis de donner la parole à un artiste contemporain. Voilà, et c'est cette revue dont je vous parlais au début de mon intervention. Alors, nous essayons aussi de travailler avec des tas d'échelles différentes et on néglige pas des petits projets, des petites choses qu'on continue à faire.
que ce soit dans l'existant, comme une petite, c'est une petite maison du patrimoine avec une adjonction, ou encore même une salle de yoga pour un client un peu particulier qui souhaitait une sorte d'environnement fermé dans un hangar industriel. Le client est en photo. Et puis, y compris, nous avons essayé, lors de concours, de pousser un peu ces logiques. Ici, c'est le concours d'extension du musée, concours perdu, l'extension du musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq, que nous avions fait avec Xavier Fabre, et qui justement prenait un malin plaisir à pervertir le programme dans le sens où nous avions fait une extension qui était raccordée par un tout petit cordon au bâtiment existant et on revendiquait justement la nécessité de ne absolument pas toucher au bâtiment de Roland Simounet. Le plan va suivre, on voit l'extension est située sur la droite. Au passage, on voit comment est structuré le musée de Roland Simounet hein, en deux parties, une partie exposition et une partie réserve et administration. Bon, je me dépêche pour laisser la parole à mon collègue. Depuis très peu de temps, il y a un promoteur privé qui nous a fait confiance, donc ça a donné l'occasion de construire des bâtiments à une un peu plus grande échelle. Ici, c'est un immeuble auquel je suis très attaché. C'est un immeuble de bureau, un programme un peu difficile. C'est ce qu'on appelle du bureau blanc, sans affectation, où donc le rôle de l'architecte est un peu compliqué. Il doit concevoir, mais sans savoir vraiment l'usage qui sera fait du bâtiment. Donc, c'est du bureau qui doit être flexible. Beaucoup du travail consiste à travailler sur l'enveloppe, du coup, mais en même temps, l'enveloppe de bureau présente des contraintes, quelquefois, et des limitations, on va dire. Et donc, sur ce bâtiment, on a pris au pied de la lettre cette idée de l'enveloppe, et tout le travail s'est effectué principalement sur cette enveloppe. Nous avions remarqué notamment qu'un matériau qui s'appelle du bardeau-guiraud existait dans une dimension hein, qui est 143 cm, ça correspond à peu près, c'est presque 135, ce qui correspond à une trame intéressante en matière de bureau, puisque 2,70 m c'est la largeur d'un bureau, c'est intéressant de retrouver ça en enveloppe, une façon de vous dire que je suis intéressé par ces questions de dimensionnement, au sens vraiment basique du terme, et tout le bâtiment, le corps central du bâtiment, s'est fait à partir du multiple existant. C'est un matériau qu'on peut couper et un peu comme on avait fait cet aménagement intérieur avec un mur de faïence sans une coupe, nous avons décidé de faire le bâtiment sans couper le bardeau et en modifiant le système technique d'accroche du bardeau pour qu'il constitue les bras, le côté des fenêtres. C'est une lame en aluminium sur laquelle on accroche les bardeaux qui constitue en fait le côté des baies vitrées, ce qui explique aussi l'alternance des fenêtres. Et ensuite, pour toutes les parties qui sont des excroissances d'un grand bâtiment qui fait 80 mètres de long, qu'on voit en plan, très mal, et en élévation, eh bien, en fait, ce bâtiment de base est étendu par des parties qu'utilisent une autre technique, une technique de préfabrication sur place, à partir d'une matrice utilisée dans les travaux publics, qui fabrique un béton architectonique lignées verticalement. Et en fait, ces excroissances correspondent aux demandes en cours de conception du promoteur qui a eu un droit à construire qui ne cessait de grandir. Donc, bon, ce bâtiment respire un peu aussi les conditions de production actuellement de ce type de programme. Mais je suis très attaché à ce bâtiment parce que, du point de vue de ces questions du rapport entre dimensions justement et proportions par rapport aussi à ce qu'on peut appeler une forme de rationalisme et ce qu'on peut tirer des logiques du rationalisme il représente un travail on va dire respectable. D'autres bâtiments récents, ici c'est un petit bâtiment de bureau qui ne fait que 1000 m² celui-là et qui était dans une situation complexe sur le long de l'autoroute et
La façade noire que vous voyez est une façade réalisée en briquettes de parement qui constitue un écran en fait, acoustique à un bâtiment qui est en bardage bois à l'extérieur, sur sa façade côté parc. Quelques bâtiments de logement pour ce même promoteur. Ici, un bâtiment à Villeneuve-d'Ascq, un bâtiment très compact. Tout ça se fabrique dans des conditions économiques, je dirais, assez limitées. Ce sont des bâtiments qui ne coûtent pas cher, où on va dire que tout le travail consiste à, par exemple, systématiquement essayer d'avoir des logements à double orientation, alors que la disposition n'est pas très favorable, à éclairer les parties comme les circulations collectives, ce qui est très difficile dans ce type de bâtiment compact. Il y a tout un travail extrêmement, je dirais, ingrat, pourrait-on dire, c'est-à-dire absolument pas spectaculaire, mais qui fait que, là aussi, à mon sens, il s'agit d'un travail tout à fait respectable et en même temps très discret. Vous voyez que les architectures qui sont produites sont très simples et elles reposent sur une esthétique très, très simple. Ça, c'est un concours. Bon, c'est c'est un chantier en cours. C'est un concours que nous avons gagné avec deux promoteurs, un promoteur social et un promoteur privé, un petit bâtiment de 17 logements et un bâtiment de 40 logements. 40 logements, c'est pour le promoteur social, et le 17 logements, c'est pour un promoteur privé, dans une partie qui s'appelle la Haute-Borne, à Villeneuve-d'Ascq, où il y a une logique de haute qualité environnementale qui est mise en œuvre. Et donc, où là, le projet repose sur la mise en œuvre d'un produit qui existe, qui s'appelle du Lumon. C'est une paroi de verre qui permet de passer des hauteurs de 2,50 m et de fabriquer des loggias qui permettent notamment de profiter de l'apport solaire. Donc tout est en isolation par l'extérieur. Et puis, ce sont deux bâtiments qui se présentent aussi comme des bâtiments avec une volumétrie extrêmement simple. Bon, voilà l'image du bâtiment terminé, avec évidemment une chose que nous n'avions jamais imaginée, c'est que quelqu'un mettrait des rideaux sans profiter donc thermiquement de l'apport de cette loggia plein sud. Enfin, c'est assez drôle de mettre des rideaux sur cette partie-là, ce qui n'est pas très bon, ce qui évidemment va à l'encontre de ce qu'on avait imaginé. Alors, je terminerai en évoquant que jusqu'à présent, tout ce que je vous ai montré n'a que très peu de rapport avec mes fonctions d'enseignant, puisque j'enseigne l'histoire. Si ce n'est que j'aurais pu faire référence notamment à des figures historiques qui nous intéressent au travail au travers de ce travail d'architecte. Mais je dois préciser qu'il y a une partie de mes activités où cette question de l'histoire et du patrimoine a effectivement une incidence, puisque il se trouve que les compétences d'historien, elles peuvent être utiles à un architecte dans le cadre strictement de ses pratiques professionnelles, que ce soit au travers des inventaires. Voilà, je fais des inventaires architecturaux, c'est-à-dire que je prends un territoire, une ville, un village, ou un territoire qui n'a pas de délimitation administrative. Et puis, je l'arpente et j'en fais l'inventaire. Enfin, ce sont des commandes qui existent. Les travaux historiques ont eu aussi de l'importance, puisque le premier livre que j'ai publié a été pris dans une campagne électorale et que je me suis retrouvé bombardé, architecte conseil, de la ville, en fait, dont il était question dans le livre, ce qui était une expérience très douloureuse, mais assez formatrice, très douloureuse parce qu'évidemment il y avait un pont entre ce que j'avais écrit dans cet ouvrage et puis les situations face à laquelle j'étais. En plus, c'était une station balnéaire, donc un territoire où la pression foncière était très forte. Et donc l'historien est assez mal outillé pour répondre à cette question. Et cette relation à l'histoire peut avoir des incidences jusqu'à la restauration. J'étais notamment architecte conseil pour
des maîtres d'œuvre, je crois que Gaston Valland connaît bien, puisqu'il s'agissait d'Architecture Studio. Architecture Studio ont été les maîtres d'œuvre du remontage du pavillon du centenaire de l'aluminium à Villepinte. Le pavillon du centenaire de l'aluminium est un bâtiment de Jean Prouvé, qui était à Lille, qui a été démonté et remonté à Villepinte. Et j'avais fait le relevé, l'inventaire du bâtiment à Lille, que je connaissais parfaitement bien. Donc j'ai été conseil pour le remontage de ce bâtiment. Mais cette question historique touche aussi des études urbaines, comme des ZPPUP, les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, qui peuvent, dans certains cas, être élaborées à partir de villes qui sont des villes majoritairement construites au XXe siècle. C'est le cas d'une cité minière dont j'ai fait la ZPPUP, à Bruy-la-Bussière, mais c'est aussi le cas de secteurs de l'île qui se sont développés au XXe siècle. Ou enfin même de parties de territoire, par exemple, je pense à des études sur des sites, des friches industrielles, où les compétences historiques, notamment les compétences en matière de reconstitution des différentes strates historiques et d'évolution d'un territoire, donc ces compétences-là peuvent être requises et être utiles. Alors voilà, de manière très synthétique, un peu mes activités masquées, c'est-à-dire celles qui ne sont pas liées à mon enseignement. Il y a deux textes, si ça vous intéresse, qui évoquent ce travail. Un texte d'architecture, ce qui m'a donné l'occasion de répondre déjà à ce questionnaire, enfin, simplifié pour la revue, qui est écrit par Joe Abraham, avec un titre, c'est vrai, qui est pas mal, « L'efficience discrète ». Ça me va tout à fait, ça me convient. Joe Abraham explique beaucoup mieux que moi dans ce texte comment ces questions de meubles, comment ces questions d'aménagement d'exposition ont pu influer sur le reste de notre production au point d'en être vraiment très dépendant. Et Joseph Abraham a très récemment, puisque c'est le dernier numéro d'Architectural Design, a produit un autre texte où il met en perspective une partie de notre travail, notamment le bâtiment de bureau que j'ai évoqué, dans une perspective plus théorique, autour de la question du rationalisme. Joseph Abraham explique qu'il y a deux grandes voies, on peut dire en France, où il y aurait des traces du rationalisme, qui sont la voie corbusienne et puis la voie, celle qu'il connaît très bien, celle d'Auguste Perret. Et il explique que finalement, en France, il n'y a que des traces du rationalisme, qu'il n'y a pas vraiment d'école, comme dans d'autres pays européens, de ce rationalisme pur, enfin, de ce que serait un rationalisme pur. Son article, évidemment, se situe dans ce balancement théorique entre ces deux voies. Il nous situe plutôt... dans la voie des suites plutôt de Perret que de Le Corbusier. Vous avez l'article commence avec une réalisation d'un de vos enseignants qui est Patrick Weber sur la gauche en haut. Voilà, à la question la qualité essentielle d'un architecte, moi je réponds comme je l'avais mis en DA, pour moi c'est la mesure, parce que je pense que ce terme est très intéressant, très polysémique. Voilà. La mesure constitue, évidemment, est liée à tout ce qui est le dimensionnement, mais c'est lié aussi à la modestie, qui fait que je ne vais pas répondre d'ailleurs aux autres questions, notamment sur ce que je pense de l'architecture contemporaine, d'une manière générale en France, puisque c'est lié à cette réponse-là. Et le pire défaut d'un architecte, je reprendrai aussi la question à laquelle nous avions répondu Nanda, pour moi c'est l'aveuglement. Voilà. J'en ai terminé.
Donc je vais commencer à vous parler un peu de mon activité.